Bonjour, je m'appelle Abdelkader. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut créer des images animées grâce à Photoscape. Comme vous voyez, c'est l'interface de ce programme, il est simple et très utile. Vous allez choisir édition, puis chercher la palette de couleurs dans laquelle vous allez travailler. J'ai pressé ici rouge. Vous allez ensuite cliquer sur général, puis icône. Voici la liste des icônes qui apparaît. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, par exemple, je choisis cette palette d'image bleue pour commencer. Cette nuage, pardon. Je la positionne au milieu. Voilà. Après, j'ai pris plusieurs copies et collé. Hop. Et après, je vais enregistrer mon premier image. Je l'appelle Red 1. Je cherche le dossier où je vais mettre. Je vais retourner maintenant à la palette verte où j'ai travaillé au début de mon tutoriel. Toujours il faut enregistrer l'image sous un autre nom. Je préfère garder le nom initial, ici par exemple Green, en ajoutant tout simplement des numéros. Et ainsi de suite. Mais il faut beaucoup de patience. Chaque image pour une seconde qui sera affichée dans mon plan de montage, timeline. Regardez maintenant. Je vais prendre celle-ci. Je vais la coller sur l'autre. Voilà. Comme ça. Enregistre encore. Je vais prendre un autre numéro. Enregistrer. Voilà. Regardez ici, dans mon dossier par exemple, les images, j'ai tout enregistré dans un seul dossier. Regardez combien des images que j'ai fait. Voilà. Une multitude d'images. Bon. J'ai pris une vingtaine de minutes à enregistrer. Ouais, toujours de patience, regardez. Hein. Donc, général, icône. Après, j'ai choisi l'image que je veux. Regardez, il y a des visages, un tas de trucs. Hein. Où est mon intérieur, le voici. Et encore, non, c'est pas ça. Bon, je vais prendre... Ah, ça.
Bon, voici mon plan de montage où j'ai inséré toutes mes photos. Voilà. Je vais créer maintenant un petit film. Créer un fichier. Voilà, c'est en règle. Démarrer. Je vais attendre un petit peu jusqu'à qu'il termine. Je vais passer là, un petit peu la vidéo pour ne pas pour gagner un peu du temps. Voilà. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas de laisser vos commentaires ou d'autres idées à me fournir. Merci et à bientôt.